Don't forget the summer trip. But all right. Prennent le large après avoir créé des émeutes au centre-ville de Montréal. Voici le témoignage de Messi, capitaine du protectorat de Montréal, qui nous a informé de la situation plus tôt ce matin. Je parle au nom du protectorat de Montréal et de toutes les organisations judiciaires parahumaines aujourd'hui pour donner mes sincères excuses face à la situation qui s'est passée au courant de la matinée. Comme vous le savez probablement déjà, l'organisation connu sous le nom des Cœurs Brisés, est un groupe criminel très dangereux. Et avec les armes qui se sont procurées aujourd'hui, ils le seront davantage dans le futur. Je vous fais la promesse, gens du Québec, que le protectorat et moi-même mettrons un terme à cette menace très bientôt. Merci. Une organisation criminelle qui ont volé du stock à l'équipe d'intervention parahumaine. Un chiffre, faut que je fasse de l'overtime à cause d'eux autres. J'ai une petite demande à te faire. Je sais que tu peux pas divulguer d'informations par rapport à ta job, mais j'ai besoin de savoir si mes vieux gadgets font partie de ce qui a été volé par les... Antoine, non, là, tu sais que je peux pas faire ça. Okay, moi aussi j'étais un héros avant, tu le sais que j'ai pas voulu faire exploser la... Tabarnak, Sarah, tu me fais pas confiance! C'est juste... J'ai juste besoin de savoir, j'ai quelque chose de... Ok, check. Tu sais à quel point, je t'en ai déjà parlé, tu sais à quel point ces gadgets-là, ces choses sont importantes pour moi. Ok, mais juste cette fois-ci, ok? Donne-moi une minute, là. Ce sera pas long, faut que je vous en dise. Oui, t'inquiète. Pas de problème. Tu sais quoi, honnêtement, là, je pense pas qu'il aurait volé des vieux gadgets, là. Mais s'il vient de finir son speech à Radio-Canada à propos des armes qui ont été volées par les Cœurs Brisés, tu sais, la Tinker Tech qui est à Montréal, là, c'est en majorité la mienne. Oh my god. Theft at the Montreal PRTHQ, Friday, December 14th, 2012. The heartbroken are at large after having influenced hundreds of people to participate in a manifestation in which most people didn't remember taking part. We can therefore conclude that the criminal organization has used parahuman abilities to control civilians. The heartbroken have used the manifestation as a distraction to infiltrate the PRT and steal tanker equipment. The stolen gadgets were built by the following capes: Dragon, Armsmaster, Binary, Lab Rat. Antoine, t'avais raison, ils ont pris ton équipement. Sarah, j'ai quelqu'un à la porte, faut que je te rappelle, ok? Merci, hein, bye. Bonjour, Monsieur Côté, agent Lafrenière, je viens pour votre inspection mensuelle. C'est vrai, j'avais oublié que l'IP me surveille comme un chien en laisse. Êtes-vous en bonne santé, Monsieur Côté? On est en bonne santé, mais on est plus jeune, hein? Permettez? Oui, c'est bon. Faites-vous du sport, Monsieur Côté? Je vais au gym, je fais du jogging, mais pas grand-chose.
Êtes-vous allé au gym aujourd'hui? Non, mais je me préparais pour y aller. C'est quoi ça, monsieur Côté? Qu'est-ce qu'il y a par terre, là, monsieur Côté? Ça? C'est pour un bricolage, c'est pas important. Vraiment pas important. D'accord. Écoutez, monsieur Côté, on a reçu plusieurs plaintes au sujet d'un boxeur qui aurait manifesté des habiletés parahumaines lors d'un match de boxe. Ça vous dit rien, ça? Non, ça me dit rien. Écoutez, la vraie raison de ma visite, monsieur Côté, aujourd'hui, c'est que l'EIP vous a à l'œil. Suite à votre incident il y a 5 ans, on a conclu une entente ensemble. Vous devez respecter cette entente-là, sinon il va y avoir des conséquences très graves, vous me comprenez? Je vous ai compris. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, vous aussi.
prochaine station, P9.